Jumbo. Thank you. Thank you. Hello. Perfect. This is a VIP place, exclusive, but for today, us. Today you're like. Corinne, Kilimanjaro. Yes, please. Hello. Kilimanjaro. Two Kilimanjaro, please. Yes. Okay. To this beautiful place. Wow. Wow, fantastic. Just that's the perfect view. Magnifique. Tu penses quoi de l'endroit? C'est magnifique. C'est superbe. C'est splendide. Là, ils ont des invités VIP. VIP dans le restaurant parce que c'est le jour de l'ouverture. Donc, comme on est arrivé par hasard ici, ben, ils nous ont proposé de nous mettre à la zone VIP. Waouh, voilà, c'est magnifique. Ils sont vraiment gentils. Splendide, ouais. C'est magnifique. Pas beau, hein? Ouais, regarde ça. Super, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, comme quoi le hasard nous fait découvrir des choses assez. Hors du commun, ouais, vraiment hors du commun. Bon, ici c'est un restaurant luxueux. Ouais, c'est très luxe. Hein. On vous fera le tour là tout à l'heure. Ouais. Vraiment. Oui, le... On a vu le propriétaire, là, le gérant de l'histoire. Là. Ouais. On a discuté un moment avec. Il va nous faire le tour. Et... On va vous faire visiter. On va vous faire visiter, voilà. Direct semi-différé de la baille à batterie, je vais aujourd'hui installer une télécommande de gain d'eau. Donc toujours quand on a eu un problème, il faut essayer de trouver comment faire pour plus que ça arrive. Et puis l'idéal, c'est d'avoir la nouvelle télécommande, la commande filaire que j'ai installée, qui fonctionne parfaitement bien, mais en plus de ça, je vais rajouter une télécommande, une vraie télécommande sur le gain d'eau, comme ça on peut se déplacer avec les télécommandes. Et puis, c'est les petits trucs qui sont à côté de moi là. Donc, un émetteur-récepteur, un récepteur et commande, et puis deux petites télécommandes sans fil que je vais mettre en place maintenant. Donc, on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne. Donc le gain d'eau, le gain d'eau électrique, il est là. Et puis le solénoïde, il est là dedans. On va aller ouvrir tout ça. Donc maintenant, il faut repérer quel fil fait quoi. Donc ça c'est le moins, ok, il vient ici au milieu, c'est bien, et puis commande haute, commande basse, le plus derrière, d'accord, donc clé de 13, j'ai besoin. Alors, la commande filaire, c'est-à-dire celle-là, hop, là. In, ça marche. Out, ça marche. Donc, on récapitule les infos du solénoïde. Donc, il a besoin d'une terre, donc d'une masse, d'un moins. Il a besoin d'un plus, que j'ai raccordé là-bas. Donc, voilà, il y a encore une cosse qui bouge. Là aussi, là, c'est bon. Alors, resserrage de cosse. Ça, c'est béton. L'antenne.
on s'en fout, on est à côté du bateau. Et puis, le dernier truc hyper important, toujours ma petite protection plastique, comme ça. On diminue les risques de corrosion. Voilà, c'est propre. Un petit peu de technique, un petit peu d'électricité également. On a installé, enfin j'ai installé la nouvelle télécommande du guindeau. C'est pas une télécommande sans fil. Et puis bah, avec l'aide aussi du petit livre de l'électricité à bord que j'ai reçu de Nautic Way, la librairie nautique, donc allez faire un tour sur leur site internet, hein. Ils ont plein de bouquins, nauticway.com, plein d'aide à la navigation, plein d'aide au dépannage et ce genre de choses, pour bien préparer votre tour du monde et autres, www.nauticway.com, cartographie et autres. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, tout est en ordre. Allez, petite inspection rapide de la zone. Alors, le MPPT, lui, il charge parfaitement. Tout est en ordre. Le reste de la câblerie a l'air sympa. Il n'y a pas trop d'oxydation sur mon réseau 220. Ici, c'est correct. Ben voilà, on a fini le tour. Il n'y a plus qu'à ranger. Oups. Ça nous dégourdit les jambes, ça nous fait du bien, c'est mignon, c'est la nature, voilà, c'est surtout pour marcher, j'en avais besoin. Aujourd'hui, il fait couvert. Ouais, ah oui. Il fait pas trop chaud. C'est moins chaud. C'est parfait. Thank you.
Bon, en fait, tu fais ça, pourquoi? Oh, mais on est envahi par les mouches. Je fais une prière pour qu'elles partent. Alors, croyez pas qu'on s'est mis au bouddhisme. C'est juste pour éloigner les mouches, puis ça marche bien. C'est les bâtons dansants. Ça marche super bien. À l'aloe vera. Ah, l'aloe vera en plus. Oh, voilà. Il est belle ma pizza? Hein? On va se régaler. Pizza au jambon, aux champignons, aux poivrons, aux tomates, mozzarella dessus. Et voilà quoi, une pizza classique. Tu te réjouis? Ça m'étonne pas. C'est pas beau ça? Magnifique! Bon, on va se régaler. Eh oui. Bon, alors pour couper la pizza, c'est pas compliqué. Parce que tu crois qu'ils savent pas comment il faut couper une pizza? On ne sait jamais, hein. Des fois, il y a des gens qui sont nuls en cuisine. Hein. On prend une petite roulette comme ça. Tu as trouvé au supermarché du coin? Non, je l'ai depuis très 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 longtemps. Oh là. Devinez pour qui est la plus grosse? Non, je sais pas. Ça m'étonnerait, ça. Allez, bon appétit. Allez, bon app. Alors, salut les cuisiniers et les cuisinières. Ce soir, je cherchais une recette pour qu'on puisse manger. Donc, j'avais un potiron à disposition et j'ai cherché dans mon bouquin La cuisine à bord, qui est très, très, très utile, que nous avons trouvé sur la bibliothèque nauticweb.com. Donc, pour notre repas, ce soir, ça sera une omelette au potiron. Donc, il faut commencer par peler le potiron. Pour la confection de cette omelette au potiron, il va falloir 300 g de potiron pour deux personnes, 3 œufs battus. Et par rapport à la recette originelle qui est dans le bouquin, moi, je vais rajouter des lardons et des oignons. Ensuite, on va 250 ml de lait, de l'ail et du poivron. Bon, le poivron, je vais l'ajouter au potiron. On va commencer à cuire le potiron. Et aussi les lardons ou le bacon en anglais. Mes lardons, donc, ils ont un tout petit peu rôti. Là, je rajoute mon oignon, mes poivrons. J'ai mis du poivron parce que ça fait joli dans l'omelette après. On mélange bien et là on va rajouter le potiron. Et on va cuire tout doucement ce potiron jusqu'à ce qu'il ait rendu tout son eau. Ah, puis il ne faut pas oublier, c'est que quand je cuisine, j'ai soif. Donc c'est l'heure de l'apéro. Alors, les potirons sont cuits, donc 5 minutes à peu près, hein, ça va très vite. J'étais très surprise parce que j'ai oublié de dire que c'était la première fois que je faisais cette recette. Donc voilà, on les retire du feu et on va rajouter maintenant une cuillère de maïzena dans mes 2,5 décis de lait que je passe comme ça, ça évitera les grumeaux. On rajoute à notre préparation à nos 3 œufs auxquels j'ai ajouté du poivre et du sel. Donc on met le lait dedans. Et puis maintenant je vais rajouter mon ail que j'ai coupé, que j'ai pressé. Il y a 3 gousses d'ail. Hein. Bon, on aime beaucoup l'ail, donc j'en ai mis 3. Sur la recette, c'était une. On goûte s'il y a une rectification à faire. Donc je rallume mon feu et je verse ma préparation là-dessus. Tout simplement.
C'est pas compliqué du tout. Et on va laisser cuire ça 5 minutes tranquillement à feu doux. Après plus de 5 minutes, hein, j'avoue, j'ai dû mettre un couvercle parce que ça ne cuisait pas assez vite à mon goût. Donc maintenant, nous allons la retourner. Alors là, c'est là que les problèmes commencent. Allez, on va tester ça. 1, 2, 3. Hop là. Ah, il y a une partie qui est restée collée. Bon, c'est pas grave. On peut pas tout réussir du premier coup. Hein. On va frotter et remettre ça dans l'omelette. Voilà. On appuie un petit peu comme ça pour faire joli. Et on remet le tout dedans. Et là, je pense que ça ira un petit peu plus vite. Hein. 3-4 minutes. Allez, on laisse cuire. Ça, c'est mon copain Stéphane Echer. Je l'adore. En plus, il dit que rien n'est si bon. Je pense qu'il a raison. C'est le moment de vérité. Attention, hein. Alors là, c'est là que je ne dois pas faire des conneries. Hein. Bon, je vais directement la retourner dans une assiette. Attention. 1, 2, 3. Ouais. C'est presque ça. Hein. Ben, comme je disais tout à l'heure, on peut pas être bon tout le temps. Hein. Voilà. Hop. On fait un petit aplatissage comme ça, vite fait. Et tout se passe bien. On ramasse ce qui est tombé à côté. Voilà. Attends, je vais prendre encore une petite pelle. Ça ira beaucoup mieux pour servir. Voilà. Et voilà notre repas pour ce soir. Donc, qui c'est qui va avoir la part de Bédix? Qui c'est qui va boire un coup de rouge? Alors, moi, je bois le coup de rouge. Toi, tu bois l'eau. Ouais. Et puis, la part de Bédix, elle est... Pour Corinne. Pour Michel. Bon, je vais diviser ça en quatre, hein, quand même, parce que... Ouais, ouais. Ça, justement, j'aurais un petit peu honte à ta place, quand même. Hein. J'ai pas honte. Mais fais comme t'as envie. De toute façon, t'arrives pas à mettre ça de morceaux. Bon, tu fais le manche chemise. Ouais, c'est pas parfait, quoi. Voilà, hein. C'est le goût qui compte. Exactement. Ah, ben voilà, j'en mets à côté, voilà. Mais t'aurais touillé tout ça. Mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Fait comme ça, puis ça a l'air bien. Ouais. Hein? Ouais. Allez. Bon, tu goûtes? Non, c'est toi qui vas goûter maintenant. Vas-y, mec. Donne-moi la caméra. Attention. Roulement de tambour. Alors, est-ce que vous vous imaginez, au bout de toutes ces années de mariage, je dois encore subir des tests. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Hein, vraiment. Allez. Courage. C'est délicieux, mon amour. Bravo. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Ce soir. Oui. Sur Javerne. Attends, je t'enlève. Ouais, ça fait beau. T'as l'air d'un vieux pépé comme ça. De toute façon, je suis vieux. C'est séance cinéma. Ouais. Alors là, on a fait une petite acquisition sympa. Ouais. Une télévision. On a une télé sur le bateau, on va pouvoir regarder un film. C'est cool, tranquille, au mouillage. Ouais. Donc, pour regarder un film, il faut un ordinateur avec quelques films dans un disque dur qui se trouve ici. Et puis, quand on a choisi notre film, eh bien... Il faut câbler tout ce bordel. Voilà, c'est un câblage impressionnant.
Mais on y arrive. Donc ce soir, c'est soirée cinéma. Mais on regarde quoi? Alors, les femmes du sixième étage. Bon, ouais, d'accord. Allez, attention. Paf, c'est parti. Bon, on vous laisse, hein. Karibu Tanzania, karibu Zanzibar, karibu Mabale.